Il y a 3 mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûre de toi, Olga Ifimova? Vous devez la retenir le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Ma tête. Bonjour, Kate Walker. Bonjour. Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Kirk, de la tribu des Yukol. Tu te souviens des Yukol? Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace, et puis rien d'autre. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatine, dans la ville de Valsambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a un mois, nous t'avons trouvée mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Nous t'avons recueillie et notre chaman t'a soignée. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence. C'est à cause de cette blessure que tu es ici? Oui. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatine a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe, et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatine, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent.